Alors, salopard, tu pensais être plus rapide que moi ? Ça suffit, vous deux ! À place de rigoler comme des crétins, vous ne pouvez pas m'aider à attraper ce foutu cochon ! Alors, quand c'est pas, tu veux le pailler, le cochon ? Parce que j'en ai marre de bouffer la giblotte de merde de ta mère ! Ce soir, côtelette de porc grillée à volonté. Hey, y a pas question que tu bouffes notre cochon parce que c'est notre ami! Ouais, pis tu manges pas ça, un ami! Ouais! Venez manger, le dîner est frais! Oh, merde! Vous avez entendu? Allez, à table! La cochon, elle peut-tu venir manger avec nous autres? Ouais, parce que lui, il trouve super bon de manger le moment! Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Hors de question! Allez, Jack, sois gentil avec tes gosses! Qui es-tu, étranger? Tu ne te rappelles pas de moi? C'est pas bien de penser! Le gros, c'est la pure vérité. La dernière fois que je t'ai vu, on t'enfermait à perpète au pénitencier. Ouais. T'as fini par en sortir et t'as réussi à me retrouver dans ce trou perdu. Ouais. Et après tout ce temps, t'es venu me buter pour te venger. Non. Non? Non, Jack. Je suis venu pour demander ton aide. Tu déconnes ou quoi? C'est un autre de tes coups foireux? Il dit vrai, Jack Curtis. Le grand Santana que tu as connu a bien changé. Wong! Mais qu'est-ce que tu fous ici, vieille face de lune? Après que vous m'ayez expédié en prison, j'ai tenté de m'échapper à plusieurs reprises. La première fois, j'ai presque réussi. Mais j'ai été un peu malchanceux. Pour me punir, ils m'ont foutu au trou. La deuxième fois, j'avais un plan parfait. Mais j'ai mal calculé mon truc. Ça a merdé. Pour m'empêcher de recommencer, ils m'ont foutu un boulet au pied. J'ai bien tenté de m'en débarrasser. Mais ça n'a pas fonctionné comme prévu. Après cette tentative, j'ai passé 2 mois à l'infirmerie. Et c'est là que j'ai rencontré Esmeralda. Une fleur délicate dans ce monde brutal et pourri. Un ange descendu du ciel pour me remettre sur le droit chemin. Et en plus, elle faisait les meilleurs burritos à l'est du Rio Grande. On a fini par me libérer pour bonne conduite et je suis parti m'installer avec Esmeralda au Mexique où on a ouvert un Santana Burrito. Un Santana Burrito? Tu déconnes ou quoi? Non, non! C'est un concept hyper novateur. Menu thématisé avec formule trio, mobilier moderne ergonomique, possibilité de commander à cheval. Bienvenue chez Santana Burrito. Est-ce que je peux prendre votre commande? Je vais prendre un gros Santana avec fromage. Mais voulez-vous un trio? Un trio? Oui, ça vient avec une tequila puis un petit cop de vin. OK. Ça va faire 3 pesos. S'il vous plaît, avancez au premier guichet. Un gros Santana avec fromage en trio! Un truc complètement à l'avant-garde, tu vois? Seulement 3 pesos? 3 pesos. On filait le parfait bonheur.
Jusqu'au jour où le général Gonzalez et ses soldats se sont arrêtés dans mon resto. Bienvenue chez Santana Verito. Est-ce que je peux prendre votre commande? Je vais prendre 50 numéro 1 en trio avec un filet de poisson. Miguel, tu veux bien un filet de poisson? Si, général. Très bien. Alors, ça va faire 150 pesos. Et parce que c'est une grosse commande, la maison vous offre les filets de poisson. Tu veux que le général Gonzalez te donne 150 pesos? Oui, c'est bien ça. C'est le devoir de chaque Mexicain d'aider le général Gonzalez à faire la révolution. Et toi, tu vas contribuer à la révolution en nous offrant gratuitement 50 numéro 1 en trio avec une filet de poisson. Je suis désolé, mon général, mais j'en ai rien à foutre de votre révolution. Santana! Caramba! Vous avez vu cette beauté, les gars? Oh! Toi, comme une fleur délicate dans ces mondes brutales et pourris. Comme un ange descendu du ciel pour le bon plaisir du général Gonzalez. Quand j'ai repris conscience, Gonzalez était parti. Il avait bouffé tous mes burritos, brûlé mon resto, tué Pablo de la commande à l'auto et kidnappé ma femme. Esperanza! J'avais juré à Esmeralda d'enterrer mon passé et de renoncer à la violence. Mais pour la sauver, je devais déterrer l'ancien Santana. Après des jours à pisser ce salopard de Gonzalez, j'ai finalement trouvé son repère. Une véritable forteresse qui contenait une armée de salopards. Seul, je n'avais aucune chance. Et c'est pour ça que je suis ici. Pour demander mon aide? Ouais. Tu me demandes de quitter ma femme, mes enfants et ma vie de fermier pour partir à l'aventure avec vous deux? Ouais. Toi, face de citron, t'as accepté de quitter ta buanderie pour le suivre? Trucider une armée de bandits est beaucoup plus valorisant que de laver des sous-vêtements. Qui veut encore le bon manger de bison poilu? Viva la révolution! Viva les filets de poisson! Regarde comme ils sont beaux. C'est comme mes enfants. Je les aime beaucoup. Caramba! Qui a fait ça? Je suis désolé, mon général. Je te pardonne. Mais qu'est-ce que toi, ma belle Esmeralda? Tu vois une politique là? Tu dois oublier les connards de mari que tu avais. Tu es beaucoup trop belle pour vendre des burritos. Il y a des grands projets pour nous deux, ma belle Esmeralda. Attends. Il a décidé de t'épouser. Tu vas devenir la femme du général Gonzalez. Calme-toi, Santana, calme-toi! On ne peut pas foncer comme des idiots, ils sont beaucoup trop nombreux. Les guerriers pressés finissent toujours par se faire buter. Nous devons suivre la voie du caméléon pour infiltrer l'ennemi sans attirer l'attention. La voie de quoi? Mais qu'est-ce que tu radotes encore, vieux bridé? Silence, misérable vermisseau! Les guerriers qui utilisent son ciboulot trouvent toujours le moyen de faire face à la musique.
Mon général, il voudrait profiter de l'occasion pour vous dire à quel point vous êtes un bon général. Un général Yanti que l'on aime beaucoup. Un général qui n'est pas seulement un général, mais aussi un ami. Voilà. Qu'est-ce que vous foutez ici, vous trois? Buenos dias. nous sommes les mariachis pour le mariage du général. Si, si! Mais dépêchez-vous, la fiesta va commencer! C'est pourquoi il me fait grand plaisir de vous offrir, à mon nom et celui de tous les soldats, ces modestes cadeaux pour votre mariage. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? C'est une vase maya. Oh, muy bien, muy bien. Regarde, Esmeralda, une vase maya. Mais qu'est-ce que tu fous avec ton pistolet, toi? Retirer dans un coin plus tranquille pour mieux s'aimer. Santana! Ça suffit, Gonzalez. La fiesta est terminée. Tu vas bien gentiment relâcher ma femme ou je fais tout plein de trous dans ta carcasse de porc huileux. Mais c'est le petit vendeur de burritos! Ouais, c'est lui. Mais avant de vendre des burritos, c'était le plus grand pistolero à l'ouest du Nevada. Un tueur sanguinaire qui prenait plaisir à massacrer tout ce qui bouge. Un monstre assoiffé de sang qui se nourrissait des lamentations de ses victimes avant de les abattre froidement. Un démon de l'enfer qui laissait la mort et la ruine derrière lui. Bon, ça va, ça va, ça va, on a compris. Santana! Non, c'est un vieux pote qui déconne, il dit n'importe quoi. Eh bien, messieurs, il doit avouer qu'en plus d'avoir des sens et des rythmes, vous avez des couilles. Mais vous êtes aussi stupides. Vous êtes trois et nous, on est... Miguel! C'est moi, général? Combien y a d'hommes dans mon armée? Y a Pablo, y a José, Reynaldo,
Jésus, y a Pepito, Johan, Philippe, Joseph... Un général, cabron! Combien y a d'hommes dans mon armée? Un général! Un général, mon général? Si! Je dirais une centaine. Ben voilà! Vous êtes trois et on est une centaine. Vous êtes fouteux. Soldats! Y a trois idiots qui menacent votre général! C'est vrai qu'ils sont beaucoup. Il ne faut jamais sous-estimer un mariachi d'origine asiatique. Il a toujours plus de tours dans son étui. Misérable vermisseau, on va tous vous cramer. On s'occupe de ces enfoirés, Santana. Va chercher ta femme. Quoi? J'ai dit, on s'occupe. Hé, hey, oh, ça suffit, wow! On s'occupe de ces connards de bouffées de burrito. Allez, va chercher ta femme. Merci, Jack. T'es coupé en deux, putain de mariachi. Putain, mais c'est pas vrai. Arrête de déconner, mon vieux, j'ai pas toute la journée. C'est ce qu'on appelle voir 36 chandelles, enfoiré. Santana! Maintenant, cabron, tu vas gentiment déposer ton arme ou y fait un gros trou dans ta fiancée. On se calme, mon général, on se calme. J'admets que vous et moi, c'est un peu mal parti. Vous brûlez mon resto, vous kidnappez ma femme, je massacre votre armée de techno avec mes potes. Ouais, ouais, c'est vrai, on s'est un peu emporté, vous et moi, mais... Il n'est jamais trop tard pour balayer les vieilles rancunes sous le tapis et devenir de très bons amis. Qu'en dites-vous? Non. Bon voyage en enfer, Gonzalez. Moi et mes potes, on t'offre un départ canon. Il vous emmerde. Santana! Esmeralda! Les gars, pour vous remercier, j'ai nommé en votre honneur mes deux derniers trios. Le Jack Curtis avec fromage et le Little Wong avec sauce aux prunes. Allez, goûtez-moi ça. Ah, c'est gentil, Santana, mais moi et Face de Lune, on doit retourner chez nous. Wong, beaucoup s'ennuyer de notre trio infernal.
par les fesses de Bouddha. Nos ancêtres ont dû être très fiers de nous voir à l'œuvre. C'est vrai que tous les trois, c'était énorme, hein, ça cartonnait à fond. Ouais. Vous ne voulez pas rester un petit peu pour t'aider à rouler des burritos? Non, merci. Chevaucher à l'aventure vers le soleil couchant est le devoir de tous les grands pistoleros. Pas de rouler des burritos. Attendez. Chérie, moi et mes potes, on va faire un tour. Je reviens dans quelques mois. Vamos, amigos! Por favor.